La grande famille judiciaire de la République démocratique du Congo est endeuillée depuis la disparition le 29 juin 2020 du premier président de la Cour de cassation, Dominique Ntambwe Wakaniki Biselela. Très affligé, le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé rendre les derniers hommages à ses dignes fils du pays qui a été, il y a quelques mois, élevé au rang de premier président de la Cour de cassation au terme d'une ordonnance présidentielle. À l'esplanade de la Cour de cassation où ont été organisées les obsèques, le président de la République s'est incliné devant le corps de l'illustre disparu. Il est allé ensuite compatir avec l'épouse et les enfants du premier président de la Cour de cassation. Le chef de l'État avait signé la veille une ordonnance portant admission de l'illustre disparu dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Une audience publique solennelle a été organisée à l'esplanade de la Cour de cassation. Fait Dominique Ntambwe Kaniki Biselela a été décoré à titre posthume au grade de commandeur dans l'ordre national par le chancelier des ordres nationaux. Sur place, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et les hauts magistrats de la Cour de cassation ont rendu à leur tour les derniers hommages à cette haute autorité judiciaire avant la levée de la dépouille pour l'inhumation au cimetière Chemin du Paradis. Ntambwe Wakaniki Biselela est originaire du Kasaï oriental, fils de Kaniki Daniel et d'Ntumba Thérèse, tous décédés. Diplômé des humanités littéraires, il a parachevé ses études à l'UNASA campus de Kinshasa où il est sorti licencié en droit. D'une carrière professionnelle très riche, il a été notamment magistrat substitut du procureur de la République, juge de grande instance, président du tribunal de paix de Kinshasa Ponkasavubu, premier président de la cour d'appel de Matadi, conseiller à la Cour suprême de justice. La mort le surprend alors qu'il assumait les fonctions de premier président de la Cour de cassation. Fait Dominique Ntambwe Kaniki laisse une veuve, Astrid Ndaya Kaninda, et 11 enfants. Comme dans ses habitudes, le gouverneur Richard Muyej-Mangez-Mons ne se prive de faire les suivis des chantiers amorcés dans sa province. Ce lundi, suivant son agenda, il a été visiter les deux grands bâtiments modernes qui sont érigés dans l'enceinte de l'hôpital général des références Mwangézi, dont l'un sera une clinique moderne et l'autre le centre de prise en charge de diabétiques. Tout s'illustre bien au chantier. Les ouvriers commis à ces travaux sont tous présents. L'entrepreneur tient mordicus à respecter son agenda, à la grande satisfaction du premier citoyen du lieu là-bas, qui se refuse toute distraction, tentant à fragiliser cet élan de construction entrepris dans sa province. Pour moi, c'est important parce que j'ai failli perdre ce jour avec une distraction qui était lancée, de créer des perturbations dans la ville. Heureusement que le Seigneur a accompagné notre détermination et ses calmes. C'est important de travailler. Nous sommes en plein 60e anniversaire de l'indépendance. C'est un grand retard. Mwangézi tel qu'il est, c'est l'hôpital général de référence, il n'y a pas de salle de réanimation, il n'y a pas de chambre VIP, il n'y a pas, on s'est contenté de ce qu'il y a. À un moment, il faut décider de faire autre chose. Ça fait deux ouvrages que nous devons inaugurer fin septembre. Après l'hôpital général de référence Mwangézi, Richard Muyej-Mangez-Mons a été visité. Certains autres travaux de construction des routes internes en cours dans la ville de Kolwezi. Il a aussi visité les travaux d'extension de la prison centrale de Dilala, dont la capacité d'accueil passera de 250 à 1000 détenus. La province du Lualaba vise à rattraper le retard qu'elle avait enregistré les années dernières. Sous l'arrivée au pouvoir en avril dernier, Christophe Bassien-Enonga ne semble pas dormir sur son deux lauriers. Son obsession pour le développement de la province du Haut-Tuilé l'amène à imaginer des solutions parfois réalistes et il y a quelques années seulement. Malgré l'acquisition de cette vingtaine d'engins sur fonds propres de la province destinés à réduire sensiblement l'influence des entreprises privées sur l'essor de son entité avec un coût financier difficilement supportable par cette dernière, l'homme est depuis quelques mois sur les terrains de fabrication de buses à béton. Débuté fin avril dernier sous l'expertise d'un groupe d'experts ougandais, cette usine de fabrication tourne quasiment 24 sur 24. C'est pour ça la qualité de vie.
et pour informer aussi aux autres que les bises, elles sont fabriquées ici à Isiro, l'usine de fabrication est déjà là sur place. En ce qui concerne le tournage des bises, les bises sont bien faites, vibrées, à de bonne qualité, qui pourra supporter même jusqu'à 60 tonnes. Initiateur du projet, le gouverneur Bassiani Nonga est permanent sur ces chantiers situés ici à Magambé, juste à la sortie de la ville d'Isiro, désormais métamorphosée sous son leadership. Conformément à son ambition, ici plus question d'étrangers, les experts ougandais ayant fait le transfert de compétences aux ingénieurs locaux. Au moment où d'intenses travaux d'infrastructures routières sont lancés sur les 6 territoires de la province, ces ingénieurs sont à chaque fois immergés par ces engins remorqueurs pour l'embarquement de leurs produits. C'est sous cette fine pluie de ce lundi 13 juillet que la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata Mokandou, a effectué une visite d'inspection au Centre national d'apprentissage professionnel pour handicap physique et invalide, CENAFI en sigle. Après un bref entretien entre la ministre et le numéro 1 de ce centre, s'en est suivi une visite des installations. Rose Boyata a débuté sa visite dans différentes salles d'atelier. Elle est passée tour à tour à la menuiserie, la mécanique, la coupe-couture et la section sérigraphie. Ensuite, Rose Boyata s'est imprégnée également du fonctionnement des différentes structures que compose cette institution. Nous avons vu, nous avons fait un constat, nous allons faire un plaidoyer pour que les agents de l'État qui meurent, ils peuvent venir prendre les cercueils ici comme c'était dans les temps. C'est un grand centre qui nous a été donné, on ne peut pas laisser ça à l'abandon comme ça. Au-delà de tout, le CENAFI rencontre plusieurs difficultés, comme le précise son directeur intérimaire. Au gouvernement, nous demandons le soutien des dizaines d'années. Ce centre n'a pas eu de subsides. Un centre qui encadre des personnes qui vivent avec handicap, c'est abominable. On fait voir qu'on n'a pas de cœur. Ce n'est pas un centre qui peut manquer de subsides. À travers ces différentes descentes sur terrain, la ministre des Affaires sociales veut se rapprocher des structures sous sa tutelle afin de palper du doigt les conditions de travail du personnel. Au cours de ces ateliers, organisés en plénière pendant 10 jours, les participants constitués des professeurs d'université et experts en santé publique de la République démocratique du Congo ont défini leur méthodologie de travail, le profil des modules à élaborer. Une autre particularité pour nous, c'est d'avoir mis en exergue la production d'un module qui parle du management au sein de l'hôpital en période de crise ou d'urgence sanitaire liée à la COVID, pour que la finalité, les dirigeants, les gestionnaires des hôpitaux puissent arriver à produire un plan de contingence pour adapter aux réalités de chaque hôpital. Quelques recommandations ont été formulées. Il s'agit entre autres d'aider les comités de gestion des hôpitaux à élaborer un plan de crise pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Il faut que les managers des hôpitaux puissent arriver à garantir la continuité des soins, la qualité des soins dans ces contextes et à manager aucun effort pour que la situation ne puisse pas défaillir. C'était à la satisfaction des participants de la plateforme hospitalière de la RDC. Nous espérons que le manuel qui sera produit sera à la hauteur pour aider à rompre la chaîne de transmission de cette pandémie qui nous touche tous. Ces assises entrent dans le programme de la phase 2 du projet Mère et Enfant de Kinshasa, Promekin 2, projet appuyé par le Bureau d'études en santé publique de la Société française, CREDES, et Médecins du Monde. Au cours d'un échange avec le vice-ministre de la Justice, les délégués de la Ligue des jeunes de l'UDPS ont dénoncé les bavures et les brutalités policières ayant causé mort d'hommes à Kinshasa, Lubumbashi et Goma pendant la marche pacifique des combattants de leur parti le 9 juillet dernier. Toutes ces victimes ont été tuées à bout portant, photos et vidéos à l'appui, soutient-il. Et d'ajouter, ces actes sont répréhensibles, les auteurs doivent être arrêtés, jugés et sanctionnés conformément à la loi. Vous savez, l'IDPS a perdu des gens pendant les manifestations du 9. Et comme nous sommes dans un état de droit, on ne peut pas laisser ça comme ça. Nous sommes venus réclamer la justice pour que ces victimes-là puissent en tout cas retrouver leurs droits. En réaction à ces revendications, Maître Bernard Takei Shengumbi a d'abord condamné l'organisation de la marche, qui d'ailleurs était interdite à cause de l'état d'urgence sanitaire décrété.
par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensuite, le vice-ministre de la Justice a déploré les morts et autres actes de violence et vandalisme commis par le manifestant et par les encadreurs. Nous avons reçu du gouvernement une mission de diligenter des enquêtes en vue de dénicher les auteurs de ces forfaits et nous les ferons, à enfin rassurer le numéro 2 de la justice congolaise. Et de conclure, le gouvernement a redoublé de vigilance pour éviter que pareille situation ne se répète. L'émergence de la province du Congo central, c'est l'affaire de tous. Préoccupés par la situation politique qui secoue cette province, caractérisée par des dissensions internes, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait instruit le gouverneur de la province, Atuma Tubwana, ainsi que les notables du Congo central à mettre sur pied un cadre d'échange sur les questions qui divisent, afin de booster l'économie du Congo central, levier pour le développement de la République démocratique du Congo. La convocation séjour, je dis bien lundi 13 juillet 2020, la convocation séjour d'un dialogue sur l'ensemble de la province du Congo central. La mise en place d'une coordination de consultation du dit dialogue. L'appel à toutes les personnalités du Congo central à des propositions et solutions pouvant conduire à la cohésion, à la réussite de ces assises en vue de la restauration de notre cohésion provinciale et de la paix qui est notre culture. Démarche fort saluée par les notables de cette province, le secrétaire national de l'Alliance des autorités traditionnelles qui privilégie les voies pacifiques dans la résolution des crises. Le lancement des consultations telles que souhaitées par l'Alliance nationale des autorités coutumières du Congo constitue aujourd'hui une impérieuse nécessité. Le gouverneur Atuma Tubwana caresse le vœu de voir toutes les couches sociales participer à l'émergence du Congo central. Le secrétaire national de l'Alliance des autorités traditionnelles a, au cours de cette même cérémonie, salué la reconnaissance du chef de l'État relative à l'élévation du premier président de la République démocratique du Congo au rang des héros nationaux. La province du Congo central, c'est l'ensemble des communautés locales, des 10 territoires qui partagent la même langue et la même culture. Elles méritent donc d'être unies pour le bien-être du peuple né Congo. Il a été réclamé par bon nombre de téléspectateurs. C'est la raison pour laquelle il est de nouveau mon invité dans votre émission Rendez-vous de Patriotes de ce samedi 10 juillet 2020 de 14h à 16h. Bonjour, bonsoir à peuple congolais. C'est votre frère, M. Evariste Manouchoudi. Nous sommes invités avec l'APK à l'émission 5 minutes avec le Patriote de César Ngadi. C'est samedi 18 dans une émission téléphone ouverte de 14h à 16h. Monsieur Evariste Omana Otchoudi, président de l'APK, très proche de Moïse Katumbi, sera mon invité dans Rendez-vous de Patriotes. C'est samedi 18 juillet de 14h à 16h. Nous ferons le point de l'actualité politique de notre pays qui est d'ailleurs très fourni et nous en profiterons pour lui poser des questions concernant Moïse Katumbi. Pourquoi Moïse Katumbi n'a pas participé à la marche de la Mouka de la dernière fois? Est-il vrai que Moïse Katumbi sera le prochain Premier ministre de la République démocratique du Congo? Toutes ces questions auront leurs réponses avec notre invité Evariste Omana Otchoudi, très proche de Moïse Katumbi. Deux heures diront, on sera avec vous pour justement parler de la marche du 13 juillet 2020 qui s'est passée sur toute l'étendue de la République, à Kinshasa et partout ailleurs, sauf qu'au niveau de Lubumbashi, le président Katumbi a jugé utile de pouvoir annuler. Nous allons connaître la cause, pourquoi il a annulé. La marche a été bel et bien convoqué, le peuple a répondu présent, le programme a été arrêté, mais à la dernière minute, le président Katumbi a décidé d'épargner son peuple au carnage et la marche a été annulée. Nous sommes donc convoqués dans cette émission pour aller expliquer les raisons de manière claire et précise. Evariste Omana Otchoudi a causala invité nanga ya samedi oyo na émission nabino rendez-vous des patriotes de 14h à 16h na sengi nabino bo benga bo poser ba question nabino na Evariste Omana Otchoudi na numéro 01 48 20 12 24 na 07 53 36 38 09 yango to lobby to causala samedi oyo 18 juillet 2020, na émission 5 minutes avec les patriotes, il y a un déconabiso, c'est Zangadi,
Toko Lobela Maimatali, Makambu Yamboka Nabiso dans l'ensemble, mais point Yamakasi Toko fixé sur la marche il y a 13 Wesala qui est appelé par la coalition Nabuka, au Batamula qui na Ngumba Munene ya Congo, sauf na niveau. Il y a Lubumbashi, annulation et Salemaki. Tosengi na bino bozala, bino nyo surtout connecté samedi oyo ya le 18 juillet de 14h à 16h na site na bino kleboa original.net pour na kolanda émission na ngai na présent ya APK très proche ya Moïse Katumbi pe bo poser ma question na bino nyo surtout. Alors toko zala elongo na bino bobenga bongo toye ba kopesa bino biyano na makambo nyo surtout pe bino rendez-vous toko zala wana APK la Mouka France CP et Ensemble pour la République, il y a Europe Mouvement de la Diaspora, et Kozala Elongo Nabino, il y a Ngayo Abino, M. Baristo Manochuli, Topé Sibino, rendez-vous, Mutumoko Azangate. Notre seul et unique rendez-vous, c'est ce samedi 18 juillet 2020, de 14h à 16h, sur Kleboa Original, dans l'émission Rendez-vous de Patriotes. Nous sommes mobilisés derrière l'homme politique Moïse Katumbi, avec APK, Ensemble pour la République comme parti, mais aussi la coalition Lamuka. Pour notre peuple, pour notre Congo, Tozobunda, Tosenginabino, Bozala, M. Ngadi, nous confirmons ici notre présence à ces rendez-vous importants, très patriotiques. On sera présent et que le peuple soit aussi présent pour appeler ainsi Tokope Sabango, Biamnyoso, Yamalam. On a Senginabino, Bo Benga, Bo poser ma question à Bino, na Evariste. Omana Ochudi na numéro 01 48 20 12 24 na 07 53 36 38 09. Tunawaita wote mkuye kui emission ya ndugu yetu Sezangadi. Tutakuwa pale siku ya posho le 18 ya mwa hii kuhusu mambo ya Jamhuri ya Kongo. Tutaongea mambo mingi sana ila tutajikalisha wakati mrefu mambo ya kutembea ilipita tarehe 13 mwezi wa 7 huko namna gani Lamuka iliweza kutembea Jamhuri ya Kongo nzima, lakini Lubumbashi pale wetu ndugu kamarade Moïse Katumbi aliweza kuanile ile marche. Tutaongea kuhusu ile mambo na kumpatia majibu yote. Njoo kwa maana tunaomba mkuwe wengi bampangi bana mboka Boya ebele bongo tuwe bako sula makambwana na emisyon ya ndekona biso sezanga de 5 minutes avec le patriote Ngai Wabino, M. Variste Omana Uchudi, président national ya APK. Merci beaucoup. Bobo sanate, ndengi na ifsa rabino kake kanambe akozwa masolo na mbuchu pena dikosi abu pia Omonanga inosa shwa miya lolo Christophe soki olinga kangai soki pe olinga anonga ite kotaka na YouTube beta ya lolo shwami TV. Ya lolo shwami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya lolo shwami TV. Et o salanga bien. Et o salanga lengi. O sali sangai. Ya lolo shwami TV. Na lingina mona bino e belé e belé belé. Wana posa otala théâtre. O lingo yeba actualité ya mboka. Wana posa o yeba makamba musique. Kota na ya lolo shwami TV. Voilà, chers amis, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Venez me rejoindre, venez me retrouver sur Adi Loba TV. Aïe! Boya ebele, boya ebele, bokoto, bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Vous aurez tout, vous serez servi, vous ne serez pas dessus. C'est vrai que ça fait un bon moment, tout le monde a une soutenue solidité. Na lobi na bino, boya, bokoto, bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Daoze la bino. Rendez-vous dans ce moko Adi Loba TV. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous dans Ngaï Nabino. Nabino Nangaï et Zana Adi Loba TV. Je vous attends, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Adi Loba Loba Loba. Toko Loba Nadi Loba TV. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Venez nombreux, non, c'est la bino. Adi Loba TV, aïe! Boya,
Je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Adi Loba TV et au Pesabino Basango Nyonso. De manière générale, Bozala informé, analyse, émission, interview, reportage. Vous serez servi dans Adi Loba TV. Adi Loba TV. Aïe! Rendez-vous na Binonangaï Bokoto, Bokoto, Adi Loba TV, Adi Londole, le célèbre, beau comme un dieu. Aosé la Binon.